Ce vendredi sonnait le top départ de la première édition du Mouveau d'Air. L'invité d'honneur pour l'occasion est le braguard Kadour Ziani, la légende du dunk. Cet événement propose plusieurs activités sur l'eau, sur terre et dans les airs. Attention, il y a un contact qui va passer. Ouais ! Au programme, compétition, démonstration et initiation. Il faut être extrêmement concentré sur la planche pour garder l'équilibre. Et puis aussi conserver en même temps la vague, rester un peu dans le creux pour avoir de la vitesse. Les festivités se poursuivent ce samedi avec le wake surf. Ce sport consiste à surfer sur une vague créée par un bateau. Équipé de ballast et d'un déflecteur situé à l'arrière, celui-ci peut facilement produire une vague d'au moins un mètre. Les participants ont concouru tour à tour avec plusieurs essais, pas toujours concluants. En gros, je suis friand d'essayer tout ce qui me tombe sous la main. Et là, c'était une très bonne occasion de revoir des amis du club. Et puis de montrer aussi en même temps que c'est un sport qui peut être à la portée de n'importe qui, à condition de pas avoir peur et de se lancer dans l'eau. Ce bateau peut aller jusqu'à 25 km/h pour créer une vague de qualité. Le surfeur, quant à lui, doit trouver l'équilibre et glisser le plus longtemps possible. À l'issue de cette compétition, plusieurs prix seront remis aux participants. Et c'est juste fabuleux, en fait, on est sur, d'avoir une vague permanente comme ça, quand on surfe en mer, qu'on n'est pas à un niveau compétition, on arrive à tenir 10-15 secondes sur la vague. Ici, en se concentrant un peu avec un peu d'habitude, on peut tenir presque éternellement sur la vague. Donc c'est des sensations extraordinaires de légèreté, de liberté. Donc moi c'est ce que j'aime dans tous les sports de glisse. Et je ne sais pas si j'étais bon, mais je me suis fait très très plaisir. Le Mouveau d'Air est donc l'occasion de découvrir le lac et ses activités sportives et nautiques jusqu'à ce dimanche. Concerts de ukulélé, spectacles pyrotechniques et pique-niques géants seront également des temps forts de ce premier rendez-vous qui s'annonce être un succès mouvementé. D'accord.